Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour Catch Actu. Au programme de l'émission d'aujourd'hui, on parlera de WWE Raw, Dexter Lumis et enfin le SummerSlam. Comme indiqué hier matin, la WWE a démarré son show de manière chaotique avec des soucis techniques. Finalement, il s'est avéré que 5 personnes étaient l'auteur de ces méfaits. Face à cela, la WWE a indiqué notamment que ce groupe était composé de 5 membres, dont une femme, et que leur nom serait Retribution. Leurs idées sont de changer les choses au sein de la WWE. Pour le moment, aucun nom n'est sorti dans la presse. Maintenant, la WWE n'a visiblement pas apprécié qu'elle s'auto-spoil. Donc, on peut imaginer que tout sera très mystérieux à partir de maintenant. La semaine dernière, Dexter Lumis s'est blessé à la cheville suite à son match contre Finn Balor et Timothy Thatcher. Si le lutteur a indiqué que ce n'était pas trop grave, les médecins sont beaucoup plus pessimistes. En effet, ils auraient indiqué que sa blessure pourrait lui coûter sa place à NXT TakeOver 30. L'idée serait de l'écarter via une attaque ou autre chose et ainsi intégrer à l'autre lutteur à sa place. A priori, la WWE devrait communiquer très prochainement sur ce qui va se passer. Alors qu'hier, des informations indiquaient que la WWE ne ferait pas le SummerSlam pardon, au Performance Center, il semblerait que d'après le Wrestling Observer, qu'un lieu ait été trouvé. Le lieu apprécié par la WWE serait Atlantic City, à New Jersey, au nord-est des États-Unis. La WWE devrait officialiser cette annonce dans les prochains jours, on pense d'ailleurs que cela aura lieu à Raw. D'ailleurs, du côté de Vince McMahon, eh bien, ils aimeraient un endroit particulier, on pense à une plage ou à un bateau, mais tout dépendra du lieu choisi et des moyens disponibles. Vince aimerait également la présence de fans dans le public, qui donnerait un peu de baume au cœur à toutes les superstars de la WWE. Allez, c'est la fin donc de ce Catch Actu, j'espère que l'émission vous a plu, on se retrouve bien sûr demain pour plein d'informations, d'ici là, portez-vous bien, gros bisous tout le monde, et à très vite!